Ndolé moulema. Voilà alors quelqu'un qui cherche l'amour depuis longtemps. Regarde, c'est pas sa tête, c'est comme la crête du coq. Ouais. Regardez. Ndolo Moulema qui m'a insulté. Un jour, j'ai vu une table sale. Je lui ai dit, va d'abord nettoyer ta table avant de nous parler. Il était trop suffisant. Ngossa a décidé de la balancer. Regardez à quoi elle ressemble. Ndolo Moulema, non. C'est la mère de qui? De Ndolo Moulema. Hein? Ndolo Moulema. C'est la mère de Ndolo Moulema. Oh, c'est Ndolo Moulema. Hey. Maman, si c'est sa mère, aïe, sa mère sexy, va à pyjama, les gars. Ouais, mais Facebook, à la crête de coq, tu t'intuis, les gars. Non, excusez-moi, Moula, c'est la mère de qui? Supposons que les autres aussi sont prêts à tout pour la visiter, si et seulement si elle voulait la paix avec Ngoï. Mais, est-ce que d'abord, Black Beauty, parlons, est-ce qu'elle avait un problème Ngoï? Même quand elle voulait s'asseoir, qu'elle avait un Ngoï, j'ai refusé. Elle le sait, elle dit que non, laisse, ne gaspille pas ta salle, fais tes shows, fais tes émissions. Laisse ça. Ngoï et moi, là, c'est une place. Les gens même qui causent à Ngoï me connaissent. Pendant que je combattais Ngoï, mais jamais même su être avec Ngoï, mais j'étais sur elle. Je suis pas, je n'aide pas à détester, je ne suis pas le prototype de ça. Donc quand je suis sur mon combat là, c'est une place. Je n'ai pas besoin d'aide. Tu me cherches, non, on va courir. Une place. Voilà, c'est comme ça. Ndolo. Hey. Oh Ndolo. On dit que Angoulin dit que c'est Ndolo, l'autre dit que c'est ça. Vous faites ça comment? Hey, regardez sa mère. Donc sa mère cherchait des clients. Ngoï a trouvé un comptoir pour sa mère. Il n'a pas de première. Les affichages sont en cours de téléchargement dans la team de Ngoswip. Nous allons tous les voir. Si j'attends Christian de mon après, il va bénéficier d'être sur mon profil. Lui, je l'ai bloqué, mais je le mets sur mon profil. D'accord? Donc, Ndolo Moulema, c'est ta maman. Waouh! Mais elle est sur le marché, elle se cherche. Qui est fou? Qui est fou? Hey! Elle se cherche, la maman. Vous voyez alors? Voilà une maman qui n'a rien fait pour, pour venir sur les réseaux. Elle n'a même pas besoin. Regardez où est la télé. Elle est dans le Moulema. Et puis Moulema, là, c'est comme, elle fait comme si elle est le cœur. Moulema, Moulema, Minalmi. Donc, c'est ta mère ici. Je crois même que c'était même toi-même. Même ta mère, là, et le Jansan. Ça dit que l'épluchement. Ouais, maman. Bon, je suis pas trouvé un comptoir pour la mère, à Rouen, comme elle va trouver pour Mboumkena. Voilà, les nouveaux recrues. Voilà, ça sera la regard des sextangénaires, des septogénaires, pour que les gens avaient 70 ans et plus. Elle va être là pour les aider. N'a pas fou de Baba Moussou, n'a pas fou de Baba Moussou. Vous venez parler à la digne fille d'une dé. Hein? Vous venez parler à la digne fille d'une dé. La femme payée, dit ma mari, assise à nouveau comme le premier jour. Non, elle va me marier, j'ai les frissons. Ne venez pas me signaler. Ne venez pas me signaler. Voilà comment vous commencez. Ne me signalez pas. Je suis en conflit avec personne, mais je donne l'heure juste et la vérité. Ne me signalez pas, s'il vous plaît. Ne venez pas me signaler. Laissez-moi avec mes maigres vues. Ne venez pas me signaler. Laissez-moi faire mon direct. Chacun bouffe les cahiers qu'il a cotisé. D'accord? Je suis dans aucune alliance. Je ne veux pas les amis dans mon téléphone, inbox ni en direct. Je ne veux pas l'alliance. Donc ne me signalez pas. Laissez-moi m'exprimer. Si vous m'envoyez les cœurs, partagez la vidéo. On n'a pas beaucoup de partage. Hey, laissez-moi garder la photo aussi. Mais on va zoomer un peu. Mais l'homme va dire. Mais ta boxeuse, moi. Même Ganou Baba à Fontaine, Ganou et muscle, mon ami. Aïe, y'a un peu de Kokulimba. Ouais, ben, les gens, Ngoï est quand même méchante. Ngoï est méchante. Vraiment, Ngoï. Une femme qui t'a soutenue pendant combien d'années, t'aidant à lire et à écrire, tu viens déposer sa main comme ça sur les réseaux. Non, c'est pas gentil. Ngoï, Ngoï, Tolo, c'est pas gentil. C'est pas gentil, Ngoï. Une femme qui t'a aidé à lire et à écrire, à faire vivre ta page pendant au moins 3 ans, 5 ans, tu viens déposer sa main comme ça sur les réseaux. Et à Ti, et à Mama. Sa mère, si elle est jeune, ça veut dire que Ndolo Moulema aussi jeune. Parce que regarde, sa mère, si peut avoir maximum 55. Maximum. Mais regarde, attendez, on zoom les cuisses. Vous connaissez les cuisses de la reine, mais plus. Attendez, voilà. Puis là, d'abord, jambonon, d'abord, bourrelé. La mère, elle doit passer dans les bistouris. Voilà les gens que Ngoï doit montrer la Tunisie. Ils vont couper un peu. Oui, oui, tout ça, c'est sur vous. Vous venez nous insulter. Moi, je vous ai fait quoi? Quand on se regarde là, on est même chose. On est même chose. On est même chose. Voilà ta paye. Voilà ta paye. C'est la maman de Ndolo Moulema. Ndolo Moutumba. Ndolo. Ndolo Moulema. C'est sa mère. Et... Ouais, Seigneur. Ouais, mais elle doit faire le djinn. Il faut qu'elle évacue. Et puis, ne vénérez pas la nourriture. Papa, je bosse 6 boules de couscous. Comme le couscous, on s'en va manger comme si on n'avait pu voir le couscous demain. 6 boules. Faut
vous modérez, mangez par portion contrôlée. Vous avez appris tout ça depuis des années, ça fait plus de 15 ans que je parle de ça. Mais voyons, essayez de manger, ne vénérez pas la nourriture. Attends, attends, mon chapeau, ma perruque là, fait comme ça va tomber. Attendez, je place bien. Ok, ma perruque si. Ok, mets ça là, ça fait comme ça va tomber. Non. Vous voyez, non. C'est Ndolo Moulema, c'est pas sa mère. Maman, et que ce soit sa mère et que ce soit elle, elle pense que je la cherchais même. Quand tu la regardes, tu me regardes. Et il y a bien de mourir. Bon. Quelqu'un dit quoi? Imbécile. Il a béni. Hein? Tu as compris, non? Je te bloque. Tu sais pas que je bloque facilement, ma chérie. Attends, comment on fait même ça? Attends, la fille ici. Ah, que tu es. Faut m'amener. Je me brûle. Tu vas pas ici. Tu te seras perdu. On n'a qu'à prendre la photo, on malaxe, on sort du mien, on entre dans le mien, on met dans le lac, on ramène. Moi, quoi, dedans. M'en fous. Je m'en fous. Moi, je connais Ndolo Miondo. Bonne année. Oui, bonjour. Hé, hey, la rose du 237. Comment tu vas, Kotikota? Mayam sœur, tu es la sœur. Hé, hey, Rose, tu es la sœur de Pipetu Maliba, la sœur de la Juju, de la sœur de la. La comment dire, la baisse de Moïse Satan, tout ça. Tu les as mis où, chérie Coco? Vous voyez alors comment Facebook est? Vous vous mélangez avec les cancans gens pour détruire les tiennes gens comme nous. Et demain, quand vous vous reculez, vous dites, yo, finalement, c'est la reine bio qui était bien. Comment dis-tu que tu m'as demandé les excuses? Ma chérie, je n'ai même pas un problème avec toi. Tu vois, non, franchement, ma soeur Coty, j'ai passé la blague de Tika a mis ton nom, Coty Kota. J'ai trouvé ça mignon. Mais ma soeur, j'ai pas moins un problème avec toi. Et tu te rappelles même notre problème. Moi, j'avais à supprimer. Mais quand c'est revenu, comment me suis que quand on me cherchait, je réponds. C'est pour ça qu'elle répond. Sinon, dans mon cœur, Norma, tu connais ma cible, c'est Ngoï Satan. Il n'y a pas quelqu'un d'autre sur Facebook, pas Ngoï Satan. Donc du coup, les autres là, c'est on perd le temps et on fausse le Japon. Tu vois, non, ma yam sœur. Moi, il n'y a pas moi de problème avec toi, hein, maman. La rose. Tu vois, non, il n'y a pas de problème. Et moi, tu as me dit que je suis mariée avec le frigo. Maman, j'accepte mon mari. Le frigo est là, hein. Il n'est pas parti. Il est là. Tu veux voir. Je te montre le frigo. Le frigo est là. Tu vas voir le frigo. Bon. Maintenant. Nous sommes sur les réseaux sociaux, depuis longtemps, même comme l'âge est diminué. Parce que moi, je sais tout que je suis la grande sœur de tout le monde. Ma grande sœur, je dis oui, je suis la grande sœur, il n'y a pas de problème. Donc, hein, vraiment, il faut qu'on essaye de doser, quoi. Il faut qu'on essaye de on dit qu'elle, la reine, mais Rose est bipolaire, mais d'abord son parent dans le frigo. Oui, tu sais que Rose, elle fait aussi bouger sa toile. Donc, quand ça l'a piqué, elle m'a dit que la femme qui est mariée avec le frigo, là, viens ici, la mère du Canada, elle va me laver propre, mais comme ça, elle me fait bien. On dit baisse ton cœur. Pardon, vous ne connaissez pas mon cœur est placé. Marie, du tout, je ne suis pas d'accord. Vous êtes toi, tu dis baisse ton cœur. Vous connaissez ma pensée. Vous connaissez ce qui est à l'intérieur. Vous ne voyez pas le cœur des gens. Dieu, c'est Dieu qui connaît notre cœur. Tu vois, non. C'est que tu restes sur tes gardes. Tu tiens n'importe qui à distance. Oui, je tiens tout le monde à distance. Moi, j'ai peur jusqu'à parce que les gens s'y hé, je suis un monde de paix. Le concept de Roserie. Donc, la paix de Rose n'est pas claire. Rose, si, elle va rebrunir. Ma tête va se lever. Ce que Rose a pris de. C'est comme ça, Facebook, quand tu es fort, tu deviens fort. Donc maintenant, elle s'assoit là, elle prend même sa vidéo de crotte, elle même poste. Tu assumes tes crottes, c'est pas compliqué. Et on vit, et ça chauffe pas. Et c'était pas parti pour être une moquerie, c'est ta soeur, Ngosmi, l'ivou de Facebook, c'est elle qui a. Mets le volume dans tout. Il n'y a pas le volume. On dit que Rose tourbillonne dans tous les directs. Est-ce qu'elle vous gère? Elle dit qu'elle est une tourbillonneuse, elle fait la paix, elle gâte, elle fait la paix. Ça fait aussi partie de son. Comme on dit souvent, chacun a sa ligne éditoriale, sa façon de faire. Moi, je respecte ça. Moi, je ne suis pas dans les paix. Les paix intempestives, les paix bancales. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Parce que la personne même qui me demande pardon, maman, amoureuse, comme le premier jour, maman, je vois mon mari comme ça, les fils. Vous avez vu le man, non? Vous connaissez le man? Vous l'avez vu? Il semble la veine. S'il te plaît, pardonne, compulsion. Vous n'avez pas un véritable problème. Moi, j'ai pas de problème avec Ngosui, mais sauf que Ngosui est injuste. C'est une personne pas gentille. Elle est vraiment, elle pose des actions injustes. Moi, j'ai commencé à Ngosui sur Monsieur Messin. Quand Ngoï a insulté M. Messan, qu'il a fait, qu'il a conçu la chambre dans la maison familiale, c'est là que j'ai récupéré Ngoï. Et j'ai dit que c'est injuste que tu ne t'asseyes pas sur M. Messan. Et quand Patoumel a répondu à l'attaque que M. Messan a envoyée à nous deux en même temps, Ngoï est sorti sur Patoumel. J'ai dit, tu sors sur Patoumel, tu sors pas sur Ngoï. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes clair, soyez clair sur tout. Soyez clair sur tout. Vous avez dit que ma petite soeur Blanc Boutier partait faire la photo avec Ngoï. Je vous ai dit que même les gens qui étaient mes amis personnels, quand ils commençaient mes problèmes avec Ngoï et avec Ngoï, ils étaient encore avec Ngoï, mais ce n'était pas un problème, c'était tous mes amis. Mais je n'étais pas avec Ngoï. C'est comme ça. C'est là où je suis qui est important. Les autres peuvent même dormir ensemble, ils habitent ensemble, ça ne me dérange pas. Mon ami, je t'intrigue aussi. Pourquoi tu ne me demandes pas pardon aussi?
Je demande pardon à Jacques, mon ami personnel. Je te demande pardon, mon distributeur de toile, maman. Eh, pardon. Donc, vous avez toujours tout dit ici, Soumetta. Nous sommes des grandes personnes, des adultes vaccinés et consentants. Nous levons, nous posons des actions, des actes que nous devons assumer. Dans 10, 15, 20 ans, peut-être on serait fatigué dans une maison de retraite, peut-être 30 ans, avec la canne à main. Quand... Donc, tu ne lis pas message. Je lis, non, maman. Mais peut-être je ne lis pas pour toi. Parfois, ça saute. C'est que le téléphone s'y fait un jamais. J'ai mes lunettes, je lis bien. Eh, pardon, quand j'ai mes lunettes là, j'ai une femme qui a encore fait ça. Oui, j'étais aussi parmi les gens qui élevaient la fainéantise et la médiocrité. En prenant conscience pour prendre du recul, j'ai coupé ma pomme, on m'a servi là-bas, bon, vous avez vu tout ce que j'ai sué comme lynchage sur les réseaux. Jusqu'au jour où ça ne finit pas, ça va rester sur moi comme ça. Mais j'ai pris mon, ça veut que j'ai pris mon mal en patience. J'ai pris du recul, j'ai décidé que j'entre sur eux. Je suis entré sur eux, bon, au jour d'aujourd'hui, là, quand ils aillent sur mon quai, c'est pas la mer, là. On m'a traité de folle, de dépressif, de tout ce que tu veux. Beaucoup de gens sur le net qui n'ont jamais eu de problème sur moi, avec moi, se sont levés contre moi. Au profit de moi, que laisse là, tu exagères. C'est comme si c'est moi qui exagérais. Moi, finish, on a su qui est Ngoï. Vous voyez, non? On a vu toutes les messes basses qu'elle est capable de faire, comment elle paye les gens. Elle a même payé pour qu'on finisse avec sa mère. Toujours au Maroc, comme aussi M. Saleté a aussi fait. Donc, c'est les mêmes gens. Vous voyez, non? Et vraiment, moi, je vais dire une chose. Je ne suis pas du genre à m'allier à quelqu'un pour faire aide-moi à détester une alliance. C'est-à-dire que comme je ne suis pas d'accord qu'on ait de l'empathie pour M. Saleté par rapport à tout ce qu'il a fait. C'est autant que je ne vais pas me rabattre chez Compresso. Je n'ai pas envie de donner ma voix à Compresso. On n'est pas en mode recrutement de voix. Parce que je ne suis annexe d'aucune team. Je suis sympathisant jusqu'au jeudi encore la team de Lolo. Et quand je serai plus sympathisant, on se dit que je suis plus sympathisant. Peut-être pour X ou Y raison. Mais pour le moment, je suis encore sympathisant. J'ai encore rien dans ma tête qui me fait ne pas être sympathisant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas. Je suis d'accord que monsieur Saleté bouffe et je vais rabattre pour donner ma voix à Compresso. Il n'est pas question de voix. C'est pas un vote. C'est pas un truc de. Non. C'est que chacun, comme on fait son lit, on s'y couche. Le pas et d'autres, passer par là et tout. Donc voilà. Mais comme je dis, comme on fait son lit, on s'y couche quoi. On est d'accord, on est unanime là-dessus. On ne peut même pas se perdre de vue ou se s'égarer là-dessus. On sait que les gens qui étaient, c'est-à-dire le groupe qui a décidé de détruire la toile camerounaise, renferme 5 personnes. Flore Magina Kenkam Kolia en tête de liste. Ngos Whip, secondaire. Troisième, M. Saleté. Quatrième, Samy, le requin du DG. Cinquième, Passo Promax, américain. Je suis intransigeante là-dessus. Je n'ai même pas besoin de porter les gants. S'ils veulent, c'est eux qui signalent mes pages. Oh, mais non, gata, je m'en fous s'ils veulent, ils signalent, mais c'est ça. La toile camerounaise doit retenir ça. Voilà les 5 personnes. Et dans les 5 personnes, 4 sont Bassa. 5e est fidèle et fait les enfants avec les Bassa. Je ne discute pas, c'est clair, c'est net, c'est automatique. C'est qu'on a les preuves. Les autres, on a passé le temps à nous. Oui, Passo Promax. On a passé le temps à nous dire que c'est que moi-même, on m'a mis dans une team. On m'a dit que j'étais avec les loulous, on a un groupe. Même Rose a dit ça à un moment. Je n'ai aucun groupe. Rose le sait. Je ne suis dans aucun groupe parce que si j'étais dans un groupe, la carte qui a la rage de mon nom là, mon audio allait me trouver sur Facebook. Je ne suis dans aucun groupe de rien qui fait rien. Ben, je n'ai pas peur de quelqu'un. Tu comprends, non, ma? Je vais seulement te dire que le tour, sinon, tu as un démon. J'appelle même ton nom. Tu vas me faire quoi? Donc, les signes là. Et en plus, c'est les signes qui ont. Vous avez vu que depuis qu'ils sont tombés là, la toile est comme si elle se porte bien. Vous avez remarqué, donc, quelqu'un prend du recul, il se connaît, il dit ce qu'il dit. Le père est venu demander des excuses, mais il n'a pas demandé des excuses aux gens qu'il a offensés. Monsieur Messan, Monsieur Santé périra par l'épée. Il a pris l'épée, il a donné à son fils, il a dit pique-tel. Maintenant, son fils a retourné le poignard sur lui. C'est bon à moi, ça dit que, qu'elle pense à ça, c'est comme si, non, mais tombe pour juste fou. Ça fait du bien. C'est tout simplement magnifique. OK? Et maintenant, la 5e personne, c'est Amé Kamé. Lui-même a monté. Son fils lui dit que je ne parle plus avec Amé, mais il est avec Amé Kamé. Et on l'a trouvé encore après ce temps-là avec Amé Kamé. Donc, ils savent ce qu'ils font. Vous comprenez, non? Donc, les excuses là, tous les noms qu'il a cités pour les excuses, c'est des excuses biaisées. Même Patoumel là, les excuses à Patoumel là, on sait que Patoumel n'a jamais oublié son caleçon chez lui. Patoumel est seulement rentré dans ça pour dire que. Ok, Ndolo Moulema dit qu'elle est une dé. Et son nom Moulema, c'est quoi? Il fallait qu'elle dise que Ndolo Kouni, non? Il fallait que Ndolo Moulema dise que Amon Kouni, non? Ou bien Kouni, non? N'importe quoi. Moi, il ne me doit pas les excuses, monsieur Saleté. Je n'ai même pas besoin. Vous savez que je n'aime pas les excuses. Parce que c'est des excuses intempestives, ça n'a pas de place. Moi, je n'ai pas besoin de ces excuses. Pour la simple et bonne raison que il m'avait adressé, je lui ai répondu. Dans le respect. Mais après, maintenant, je l'appelle monsieur Saleté. Parce que ce qu'il a fait, c'est un crime. C'est un crime, ce qu'il a fait. Monter un coup de sanctionner l'abbé Samé. Qui est celui qui l'a. Si l'abbé Samé n'avait aucun audio qu'il envoyait par le passé faire des coups, j'avais dit que non. Quand même, il y a un guise rouge. Mais comme il a des audios qu'on l'envoyait faire des coups, donc, mais l'abbé Samé a utilisé ce qu'il lui disait de faire et a remis sur lui. Vous voyez, non. Son mari, Edouard, là. Ah,
Oh là là, donc c'est pour ça que, oh là là, donc son mari avait terminé. Mon défaut, c'est que c'est fini. Quand je rentre, je dors et ronfle. Pas même je te souhaite de dormir et ronfler. Mais il y en a qui rentrent comme monsieur Salité nous a dit qu'il ne dormait même pas, il faisait chambre. Pardon. Les affaires de Facebook, des femmes puissent, puis mentir et tout ça. Monsieur Salité fait les problèmes de ça. Elle crame le caleçon de patron en direct, mais pas, ne dort pas et sa femme, vous avez vu comment? Il y a les gens qui ramènent les soucis de méta dans leur maison. Moi, chez moi, ici, il n'y a aucun débat de méta. On ne débat pas sur vous. On ne vous gère pas. Vous êtes zéro, Macabo. L'homme de 1, zéro. On ne vous gère pas. On ne débat rien qui vous concerne. Donc, toutes les saletés que vous avez mises sur la reine Mébio, nulles et non advenues. C'est comme ça. Et qui? Mais moi, j'ai un problème, lui-là. Le mari de Ndolé Moutoumba, c'est Ndolé Moutoumba, c'est Ndolé Moutoumba, c'est Ndolé Ndolé, 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 comment dire, Ndolé Mifaka, Ndolé Mbet Ngap, ok? Ndolé Ndjet Ngap, là. Le problème que j'ai, on nous a sorti une histoire ici que son mari a offert le téléphone à Moussa. Moi, je me dis, ils sont illettrés, ces gens, ou quoi? Ils n'ont pas la tête, ou quoi? Quand tu prends un téléphone, là, c'est iPhone 15, que vous appelez, c'est 15 Pro Max, c'est quoi? Sortent le 16. Moi, je m'en vais choisir de prendre le 16. Je m'en vais à l'agence, à Bell, je m'en vais prendre le nouveau téléphone. Quand je prends le nouveau téléphone, que mon ancien téléphone a encore bien, qu'est-ce que je fais? Parce que je vais peut-être offrir à quelqu'un mon ancien téléphone, un exemple. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrange à vider toutes mes données. Bon, elle était tellement mal prise qu'on a pris un téléphone dans le tiroir, on allait lui donner et qu'elle a blanchi, elle a trouvé des choses. Quelles sont ces manières? On va au centre des télécommunications si on n'est pas capable de vider nous-mêmes. On vide. Même à YouTube, on. Aka, quelle confiance. Même sur YouTube, il y a une façon qu'on te montre comment faire pour vider. Moi, j'ai mon téléphone iPhone 13. Quand je l'ai eu, je l'ai vidé au complet. C'est-à-dire que tu reprenais le téléphone, tu vois seulement blanc. Tu voyais l'écran, tu ne voyais pas l'écran comme ça. Tu vois blanc sur le téléphone, blanc. Tu vois le téléphone comme ça, blanc. C'est comme gris, bleu. Il n'y a rien, rien dedans. Le téléphone est vide. Comment vous pouvez prendre un téléphone? Le monde, vous nous prenez vraiment pour des bêtes sur les réseaux. Moi, je suis une bête femme là. Écoute, là, moi, j'ai la jugeote là. Je la suis dans les idées. Attends. Tu prends un téléphone, tu donnes à quelqu'un. Même au Cameroun aujourd'hui, voici un iPhone où c'est 10, 10 fois là comme machin. Si je veux offrir ça à quelqu'un, je dois vider iCloud, tout le email, tout vider. Quand je lui donne ça, c'est blanc. D'accord? Je ne vais pas encore aller prendre un vieux téléphone. Je vais donner à quelqu'un avec toutes mes photos et mes nuits dedans. Vous pouvez nous embrouiller. Vous pensez quand nous sommes ici sur Meta, nous avons soif de voir votre partie intime. On n'en a pas besoin. C'est de la bouillabaisse, c'est du n'importe quoi. D'accord? D'accord? Bon, arrêtez un peu. Vous venez nous mentir tout le temps et tout. Vous venez nous dire que oui, elle a les nudes, elle avait de l'angoissa, elle a de l'angoissa, les machins, que si elle fait gnac, elle va balancer. Vous n'avez que ça. Quand vous ne prenez pas les nudes, vous avez dit qu'il t'a dragué. Il m'a dragué, il m'a doigté. Ce n'est que connecté avec tout ce qui va concerner les parties. Bah, vous n'avez pas d'autre sujet en fait. Hein. Oui. Nancy a dit que les femmes ont le savoir. Nancy a dit que Ndolo est une belle femme.
Vous parlez des jeunes belles femmes qui salissent. Comme il y avait une qui s'appelait, ou c'est. Comment elle s'appelait celle-là, la jeune fille qui était dans la team de Mkoyi, là. Magina Pulitzi. Une certaine Magina Pulitzi à l'époque, là. Une belle femme, hein. Ouais. Avait une page même très active. Il fallait voir comment elle m'insultait. Ah, j'ai souvent dit que maman, elle ne me connaît même pas. Non, tous les jours. Beaucoup, mais les gens ont quand même porté les péchés. Ils ont porté les péchés. C'est pour ça que je suis moi lisse et belle comme ça. Parce que mes péchés sont que chez eux. Ils ont porté tous mes péchés. Ouais. Mais oui. Ils ont porté mes péchés. Je suis allégée. Ah, mais voilà. Ok. Gros bisous, ta fille. Je ne peux pas pour les gens. Je ne peux pas toujours pécher pour les gens. Non. Tu vois, les personnes vont pécher. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être en pécher pour les injures qu'on va pouvoir faire à ce regard. C'est la pécher. Coucou, Sandy. C'est la pécher. Je ne peux pas. C'est un peu ça. Ouais. Non, Ndolo doit sortir. Tu sais, moi, je suis pour que... Écoute, à un moment donné, hein, les trucs de faux profit, soyez tout simplement vous. Écoute, tu as envie... Voilà Rose, voilà. Elle fait son tourbillonnage, elle est ici, elle est la belle, mais elle est là. Elle a ses rosés, quoi, les gens qui vont la supporter dans ses machins. Et ça donne ce que ça donne. Il y a quoi? Il y a quoi? Madame Boum, qui n'a qu'un gars, Janine est doublée maintenant. On a deux gars, l'autre qui parle barantais, l'autre qui parle français. Boum Kena, c'est la magie. Elle peut devenir folle là où elle est là. Moi je dis, hein, je ne crois pas à cette histoire de téléphone. Même Georgette vient d'écrire ça. Je ne crois pas parce qu'on ne peut pas donner un téléphone avec tout de toi. On ne peut pas donner le téléphone. Des titres de direct sur la foi. Non mais l'affichage de tes cachets. Non, vas-y, vas-y. Hey, Joséphine Legrand, bonne année. Voilà les chrétiens de Monaco qui vont bientôt être affichés, Joséphine Legrand. C'est une técassienne, Joséphine Legrand. À toi, j'ai dit técassienne. Les autres, c'est des técassiennes, técacottes. Voilà. Toi, tu es técassienne. Vraiment, ma chérie, técassienne. Voilà, voilà. On dit que c'est Christian de Monaco qui va être affiché. Je la tape. Je vais le mettre en profil. Quoi? Lolo et moi, est-ce qu'on est les lesbiennes? Lui et moi, on avait un contrat. Mais maman, même les autres, ça fait quoi? Ça fait quoi? Dis-lui de mettre, parce qu'elle a vu que j'ai coupé sa vidéo, j'ai mis un comment ça veut mettre. Ça fait quoi? Lui et moi, on est lesbienne. Ça se gâte, ça se gâte, ça se gâte, ça se met. On a des rendez-vous sur des chez nous. Ça va dépasser le venu quand on a dépensé le dégénéré. Elle dit qu'il y a vraiment les photos, mais le monsieur avait supprimé, mais c'est resté dans la corbeille. C'est ça que je dis qu'un instant, Bakata, tu vas dans, si c'est iCloud, tu supprimes tout. Parce que quand tu vides un téléphone, même la mémoire, comme on dit souvent, que le stockage, tout est vide, tu vois, la bande, c'est nul. C'est ce qu'il devait faire. Comment il donne un téléphone avec le reste de photos dans la corbeille? Avec Google, les photos reviennent. Les photos reviennent. Moi j'ai iCloud. Ouais. Ha! C'est ce que Ngosa a déposé ça quelque part. Parce que Ngosa est méchante. Vous blaguez à Ngosa. Ngosa ne blague pas. Elle a dit que si elle a le poison de Lolo, elle va lui donner. Elle est méchante, Ngosa. Oui. 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 Même de Ngosa, tout le monde. Parce que si elle s'élève là, ouh, je peux comprendre. Je peux comprendre. Attends, mélange fusionnel, mais c'est terrible. Ouh là là. Moi, écoutez, tous mes injures, c'est nul et non advenu. Je m'en fous royalement. J'ai affaire à Flore, ma chère, des Camouillères. Là, on a le petit rappel, tu vois le monsieur qui est ami avec l'aide de papa Lolo là. Oui. Voilà, le monsieur qui est en train de vidéo, il voit avec lui, il passe le bois, et papa Lolo vient de passer le bois, il a accompagné avec son frère là. Et là, cette vidéo était partie ici. Il est parti. Wow. Donc, on a tout. Maintenant, on a encore de vidéos. Il est prêt à le faire.
Tu vas vivre à quoi? C'est quoi? Moi-même, ils m'ont monté des trucs. Ici à Montréal, ils ont balancé une fille couchée derrière, il y avait un cahier. La fille lisait. Ils ont mis ma tête dedans, balancé par tout ce qu'on a dit qu'on a signé. Ils ont partagé ça dans tout Montréal. Il y a quoi? 4-5 ans de ça. Et ça change quoi? Comment il s'appelle? Oui, oui. Allô, maintenant, tu entends. Tu es dehors. Oui. Ah, c'est pour ça qu'il y a un écho. Oui, ça fait un peu de distance. Ah, d'accord. Mon numéro parce que mon numéro est partout mais j'ai gardé le même numéro. Tu avais les écouteurs, on dit que si tu enlèves tes écouteurs ça va être correct. Oui, tu enlèves les écouteurs, tu parles normalement. Oui là c'est mieux. Oui, tu peux souvent tenir, ça va être... Oui, là c'est mieux. Attends, j'enlève donc le haut-parleur. Oui. Il faut des tâches là, une petite vie rangée, il n'aime pas ça. Il faut que tout le monde soit sale en fait. Tout le monde doit être trempé, tout le monde doit être dans le fou, bien sûr, le machin, bien sûr. Et tout ça. Donc ce qui fait qu'il s'arrange à trouver quelque chose pour te coller, pour que tu sois sale. Tu vois un peu genre. Mm-hmm. Mais avec le recul et avec du temps, c'est bien, les internautes ont compris. Vous voyez, c'est eux qui sortent maintenant sales. La preuve, l'affichage, je sais que tu supportes monsieur, mais sans dans ce qu'il vit, je peux te comprendre. Mais cet affichage fait mon espace. Ça nous fait maintenant voir les messes basses, la face cachée de ces personnes sur les réseaux qui nous font croire tout et n'importe quoi. Donc on peut voir comment ils peuvent faire. Non, monsieur, oui. J'étais expliqué pourquoi je non, tu m'as expliqué. Je respecte. Ce n'était pas pour le défendre dans ce qu'il a fait. Non, je ne le défendais pas dans ce qu'il était. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a fait du sale. Il n'était pas seul. Maintenant, on veut venir l'afficher comme si c'était le seul dans le truc. C'est là où je n'étais pas d'accord avec la bande. C'est là où je n'étais pas d'accord avec la bande. C'est pourquoi j'ai dit, je prends sa défense. Mais sinon, il n'a jamais été... Même quand il a demandé ses excuses, dans ses excuses qu'il demandait... Il a dit des choses qui n'étaient pas correctes. Parce qu'il dit qu'il est sorti défendre sa femme. Il est sorti défendre sa femme qui avait été attaquée. Oui. Et je dis non. Personne n'a attaqué sa femme. Personne n'a attaqué sa femme. Qui nous donne les noms des personnes qui ont attaqué sa femme? Qui a dit qu'il est sorti attaquer sa femme? Monsieur, mais ça a dit qu'il est sorti défendre sa femme. Non, c'est à lui, ce monsieur. Il ne pense qu'à lui. Voilà. Les autres, c'est des bambines de ketchup. Moi, je suis une bambine de ketchup. Qu'est-ce que tu veux qu'il pense de moi? Je suis une bambine de ketchup. Vous avez été attaqué. Mais non, la rémédion, ne mettons même pas ça dans l'histoire de bambine de ketchup. Partout n'est pas bambine. Quelqu'un dit que. Passe partout, dit que. Petite parenthèse. Nous sommes les passionnés du Congo ça. Et la qualité du son est primordiale dans le Congo ça. Sinon, on ne va rien comprendre. Oui, ben j'étais dans le magasin, j'avais les écouteurs. Oui, c'est ça. J'avais les écouteurs. Donc, j'ai dit ceci. Oui. Il a attaqué Marthe. Qui est comment on appelle, la marraine de, je crois, de l'un de ses enfants. Oui, tout à fait. Marthe Chopard, marraine. Exactement, du garçon. Oui, Marthe Chopard. Voilà. Donc, il ne peut pas dire qu'il est sorti en tant qu'un guerrier défendre sa femme. Parce que sa femme ne répondait pas aux attaques. Qui avait attaqué sa femme? Flore. La personne qui avait attaqué c'est sa la femme. C'est la team de Flore. Fait... Flore. Mais elle s'est devenue sa fille produite. Non, elle est devenue sa fille produite. Voilà, produit. Il a fait. Justement, il a fait la paix. Le problème est réglé, ils ont fait quand la paix. Quand il attaque, donc, quand lui, il vient vous attaquer, c'est parce que votre proximité avec eux a monté. Il ne peut pas venir dire que c'est parce que c'est là où j'ai dit faux, mon grand frère. Là, tu as fait fort. Tu as menti. Je veux bien que tu viennes défendre ta femme, mais j'aurais voulu qu'il défende sa femme à l'époque où sa femme elle était enceinte et que Flore. Et une fois qu'il fait la paix avec Flore, sa femme n'est plus en mode conflit puisque tout est réglé. Parce que celle qui avait déclenché sa femme, c'était Flore et Satine. C'est ça. Voilà. 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 Là, même que je vous ai dit, je ne prends
en but à maison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était quelqu'un que je suivais. Je ne l'ai pas fréquenté, mais je le suivais. Le fait de s'être entouré de certaines personnes, il a pris le mal en lui. Il a pris ça. Il s'est entouré de certaines personnes et c'est pourquoi j'ai dit, je ne le suis plus. Moi, je le suivais avant. Je le suivais bien. Et tout ce qu'on a commencé à dire sur lui, ça a commencé à me dégoûter. Je dis, mais c'est pas possible. Et lui-même, il a fait son direct où il dit, ce n'est pas lui. Ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui, il n'est pas la même personne. Bon, si aujourd'hui, il va essayer de laver son image, c'est vrai que il est venu demander les excuses. Mais il a essayé encore de faire le match vu, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Bon, quand tu viens demander les excuses, tu ne fais pas le. Mais tu fais preuve d'humilité, tu t'abaisses pour qu'on t'élève. Mais tu ne viens pas encore faire. Parce que c'est un monsieur en quête de notoriété, il faut le dire. Il a en quête de notoriété, il veut être le numéro un, un peu comme Flo. C'est les gens qui veulent toujours que quand on compte un, deux, on arrive sur. Mais ils sont nombreux là. Tu l'as pas, ils sont en quête de notoriété. Et dans sa quête de notoriété, il tire sur les autres pour arriver. Tu ne peux pas tirer sur les autres. Tu peux chercher ta notoriété sans tirer sur les autres. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des gens qui avancent lentement, sûrement. Et bien, puis il y en a d'autres que ça va en yo-yo, quoi. Lui fait partie de ceux qui vont en yo-yo. Parce que quand une fois qu'on le découvre, on a juste envie de give up, quoi. Et la reine même Bio donne ce conseil à tous ceux qui sont en train de t'écouter que si vous voulez avancer, avancer lentement. Elle est montée sur Facebook pour faire sa visibilité et devenir star. On a vu Apoutu le premier jour. La reine Medio, il faut plus que les gens reviennent sur l'affaire. Exactement. Non, j'étais claire. Je le dis en direct pour que les gens comprennent. On était sortis le jour qu'on sortait sa page. J'ai dit bien, le jour qu'on sortait la page de ma petite soeur, la Blair Apoutu, on est allé au restaurant de mon frère Charlie Jaguar, Cocorico sur Saint-Plon, à Paris. Je suis allée avec elle. On a cassé les champagnes. La Bachali nous a bien reçus. Et ce jour, on a vu Apoutu. Ce jour. Elle a dit à Apoutu que je veux que tu lances ma page. Je l'ai appuyé. J'ai dit que sache qu'il va prendre de l'argent. Il ne va pas faire ça. Donc. Elle a dit, OK, va lui demander. Elle a même causé. Elle a même le téléphone de Apoutu. Parce qu'elle était là. En fait, elle avait une autre page. Elle était claire. Elle était là. Et moi, je sais pourquoi elle est là. Donc, je ne peux pas l'en vouloir. Elle peut même être dans la team de Flore et être même là. C'est ce que j'ai dit. Ça ne me dérange pas. Dit. Il faut que les internets le sachent. C'est important. C'est pour ça que je le dis. Je n'ai aucun problème avec elle. Je ne peux pas traverser son corps. C'est ma cousine. Et c'est comme ça. Je ne peux rien changer. Et elle n'est pas venue sur Facebook pour me défendre. J'ai refusé ça. Je dis, ma chérie, Facebook est difficile. Comme tu en, on va t'afficher. On va afficher la famille. Elle n'a pas fait 3 mois. On a affiché tout. J'ai dit qu'on a affiché sa soeur. Sa soeur même pleurait. Elle m'a appelé. J'ai dit que je t'avais déjà averti. Donc, dis seulement à la soeur de supporter. Après, ça va passer. Et après, elle est devenue dure, solide et tout. En avançant, elle n'aimait pas ce que Ngoï m'a fait. Parce que c'est ma soeur. Mais au-delà de tout, si c'est ça qu'elle va utiliser pour arriver. Mais qu'elle utilise toutes les opportunités. Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Non, mais que les gens ne te ramènent plus. Moi, je suis plus là pour lui donner des conseils. C'est tout. Si, c'est une jeune soeur. Si je vois qu'elle fait quelque chose de bien, je partage. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, le reste là, elle est libre. Non, mais dis que oui, elle a partagé le flair. Rien n'a. Mais la fille est en business. Écoute, quand tu veux aller loin, tu ménages ta monture. Si c'est le chemin qu'elle a, elle va finir par arriver. Bon, qu'elle a insulté. Si vous avez dit quoi, je l'ai appelée étoile filante. Étoile filante, ou bien j'avais dit quoi? J'avais donné un nom à Boumkena. Étoile montante. Boumkena n'a même pas compris ce que ça voulait dire. C'est une parole philosophique qui dit qu'en insultant, elle va finir par arriver. Et elle est arrivée. Pourquoi elle est arrivée? Parce qu'il y a des gens qui aiment les injures, qui se nourrissent de ça. C'était eux qui étaient ses abonnés avec ses deux leaders, Ngoï et Ngoswip. Aujourd'hui, je dis que Ngoï et Ngoswip sont dans un conflit avec M. Messanke, son père prodige. Maintenant, elle a choisi sa Ngoswip. On m'a dit que, voilà, étoile montante. On m'a dit qu'elle devait aller même travailler aussi dans la ville de Ngoswip, tout ça. Donc, chacun, c'est-à-dire que chacun pose ses pas comme il va. Peut-être moi, là où j'étais utile, mon utilité est quittée. C'est quitté! Il n'y a rien. Elle va aller faire quoi? La reine bien dit qu'elle va aller faire quoi? Travailler. Elle a dit à Dorcas, elle a dit que si Dorcas se déshabille et elle se déshabille, on va la prendre, on ne va pas prendre Dorcas. Doit aller sur le marché. Doit aller sur le marché. Aïe. Non, Mila, mais pour qu'elle ait été pas Judas, laisse-nous parler, pardon. Carole, Judas, c'est qui? Carole Bohen dit qu'on veut parler de Judas. Non. Donc, Judas, c'est qui d'abord? Non. Il veut te faire de route jusqu'à ce que la reine est bien. La reine est bien. Il y a une page qui se lève ici, là. Mon nom dans la bouche. Je n'ai rien fait. Mais mon nom est dans la bouche. Mais il y a certaines personnes avec qui on se dit qu'on est ensemble. Ils vont là-bas, ils sont assis au premier rang. Laissez vos histoires de Judas. Vous tous, vous êtes de Judas. Et c'est ça. Judas, de quoi? Restez de mettre un nom sale sur l'enfant de quelqu'un. Il faut laisser ça.
Quelqu'un dit qu'on a dit que Lolo, quelqu'un dit qu'on a dit que Lolo sera au Nouvel. Moi, je ne sais pas si on a dit ça, qu'elle sera au Nouvel avec moi. Comme je n'ai pas le temps de suivre tout le monde. Mais on dit que c'est plutôt Blair. Lolo devait aller, elle devait aller au Nouvel. Mm-hmm. Elle devait aller au Nouvel parce qu'il y avait l'anniversaire, un truc de ce genre, après l'émission. Mm-hmm. Lolo devait être là-bas après l'émission. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si Lolo est parti. Carole. Puis on dit que maintenant c'est Blair Beauty et que si c'était Lolo les lives, c'est une personne, Rina, qui dit que si c'était Lolo les lives, allait pleuvoir. Bon, tu sais, écoute, moi je vais te dire une chose. N'oublie pas qu'il y a des teams. Et dans la team, il y a des gens qui sont d'accord. Lolo, c'est Insta, hein? Pas d'accord. Ah, les gens... Mais dans la team, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Les lives peuvent pleuvoir parce que quelqu'un dans la team qui n'est pas d'accord, comme Goïf, même Chengosa, il y a des gens qui ne sont pas d'accord que Ngosa a fait la paix avec Goïf. Ils sont toujours choqués jusqu'aujourd'hui. Je suis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est eux qui sont constitués voilà. Aujourd'hui qui attendent Goïf. Hein? Exactement. Donc, ce qui fait que tout ça fait partie de Meta. C'est-à-dire, sachons doser et sachons comprendre les gens dans leur feuille de route. Moi, je suis venue vous dire clairement ce que ma petite cousine avait prévu pour son blog. Elle était prête. Si on disait même que paye tant et qu'elle savait qu'elle paye et qu'elle va arriver à ce qu'elle veut, elle aurait payé peut-être. Ah, mais bien, la paix, j'étais dans le direct de Tatana l'autre fois. Oh. Elle a dit, elle veut la paix. Oh. Elle m'a encore fait le direct l'autre jour pour m'insulter que je suis une... Elle a dit que j'étais une... Quoi, okay. Une... Hé, hey, on m'a envoyé. Elle a dit que j'étais une fois de direct. Coucou ma belle-sœur chérie Marie, comment tu vas? Ça c'est ma belle-sœur. Comment tu vas? Elle a dit qu'elle venait, elle fait la paix. Mm-hmm. Elle a dit que je suis une, que je fais une sous-traitance. Comme je vais faire la journée de la femme le 9 mars. Il paraît qu'elle aussi va faire, uh-huh. Je ne sais pas, je ne la suis pas. Je suis ouais. Pas, je suis bloquée chez moi. Mais elle dit que je suis en sous-traitance. Moi je suis d'abord coach événementiel, hein, ma chérie. Ce que je touche se transforme en or. Parce que je mets du vouloir. Mais elle a dit l'autre jour qu'elle veut maintenant faire la paix, elle ne veut plus non, les non, 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 mais c'est les paix là. Je vous dis que c'est les paix, hein, Jean. Faut pas vite embarquer. Non, il faut faire attention. Elle a fait le dieu. J'ai la capture, on m'a envoyé un petit extrait. Voilà, tu mets l'argent là-bas. Elle m'a bien pensé du discours de votre cousine, la Black Beauty Ngoï. Elle a fait un discours, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Elle a fait un discours, je ne sais pas, mais elle peut aimer Ngoï. Ngoï est être humain, non? Comment vous voulez? Je vous la même chose. La Reine est bio. La Reine est bio. Ils se sont retrouvés au New Bell. Oui. Ils se sont retrouvés au New Bell. Oui. Pourquoi les gens veulent toujours faire un selfie? Quand elle voit, comment elle s'appelle? Shakiro, elle fait un selfie. N'importe quelle star qu'elle voit, elle fait un selfie. Elle fait un selfie avec ces gens. Mais c'est ça, pardon. La PDG des plateaux criait l'autre jour. Il y a quoi, non? J'ai dit que je sais. Vous savez que la PDG des plateaux est tellement agitée. Elle a un esprit perturbateur, esprit d'agitation. Je la gère, Panjongwe. C'est au nom de quelqu'un d'autre. Mais c'est très grave. Surtout que tu n'as pas une identité. Donc tu perds ton identité au nom de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on est en train de combattre sur les réseaux. Voilà ce que monsieur me sent. Tu n'as pas d'identité. Tu fais les choses au nom de quelqu'un d'autre. C'est grave. C'est très grave. Donc moi, je dis. Écoute, Facebook, hein, ainsi va Meta. Nous sommes maintenant dans l'ère de l'exposition et de l'affichage des photos de films de Cassien. Parce que quand elle va afficher, Lolo Moulin m'avait aussi affiché. Donc, Reine Mère, on va ta position. Tu as les mêmes caractères que la rose. Bien, la rose appelle celui-là qui. Rêve, c'est une petite soeur de chat. La rose appelle celui-là qui. Oui. Elle appelle qui? Mounanchele. Mounanchele, c'est qui? Christian Mounanchele. Aïe, Rose, là, elle a la bouche. Elle dit Christian quoi de Mounanchele. Aïe, yeah. Elle dit même pas Mounanchele, elle dit Mounanchele. Oui, Rosé, ni canaille. Hey, maman, Rosé l'appelle Mounanchele. Christian, son affiche, ça va être bon. Mounanchele. Mounanchele. Aïe, Rosé n'est pas dit. Hey, Rosé. Mounanchele. On va afficher Christian de Mounanchele. Rosé, alors, Rosé, alors, de venir dégager le jardin. Hey, pardon, elle est ziglie. Elle dit qu'elle est ziglée. C'est-à-dire qu'elle grillait de chez Grillage. C'est ça, Facebook. Ça te fait forger un caractère de gay. Si tu n'es pas Dieu, là, tu peux. Non, c'est le cas. C'est mon Angèle, là, qui peut me tuer. Mon Angèle, moi, le nom, elle est inspirée. Et ça donne, hein. Non, j'ai la famille de qui? De elle, Anara. Yeah, et sa soeur a dit qu'elle la sort. Oui, et puis sa soeur a dit que non, elle a sorti des réseaux sociaux. Quelque chose comme ça. Qui sont les réseaux sociaux? Quand sa soeur a dit qu'elle a sauté, elle enlevait des réseaux sociaux. Ok. Ok, on l'a affiché. Ou comment elle ne m'a pas bipé aussi pour que je vois même ce qu'on a affiché? Je ne sais pas. J'aurais appris qu'elle a été affichée ses enfants et tout. Non, mais Anna, on la connaît, non? Dame de Facochère. Pas une fois, elle était dans une directe, elle parlait. Oui, mais. Cette dame était pas ça. Oui, il paraît qu'on a parlé de ses enfants, les naissances de ses enfants, des trucs de ce genre, apparemment. Et Facebook, hein. Ben oui. Rose très Ngoï. J'ai dit que Rose est devenue grillée un jacquet. Ouh, Rose. Elle est ziglée. On dit qu'elle est ziglée. Free. Non, Anna, elle n'a que ce qu'elle mérite. Anna est venue s'asseoir sur Patricia Mel et moi ici. Pendant que tu es témoin, lui là.
Ceux qui ont insulté la nourriture de Anna, c'est Ngoye Satan, au conseil de Lady Ponce. Ngoye a dit que la nourriture a fait. Moi, j'aime manger la nourriture de Doudou. Doudou a fait les méchants. C'était joli, j'ai même fait les vidéos. Elle même Ngoye était derrière la table là-bas pour ingurgiter les copes de verrine, de tout ce que Doudou a fait. Elle vient dire que ça a de la diarrhée aux gens. Anna n'a rien dit. Anna est avec. Ouais, on m'a pas pipé là, on a affiché là. Moi, j'allais seulement capturer le posté. J'allais l'aider à découvrir. J'ai appris ça, mais bon. Ah, Rose tresse Ngoswip, elle ne tresse pas Ngoye. Ah, Rose, non, Ngoye, même Ngoswip. Oui, même Ngoye, même Ngoswip. Après, ça va être sa soeur. Tout ça, c'est des. Il y a un tourbillonnage terrible. Moi, je n'ai pas. Oui, j'aurais appris qu'il paraît qu'elle a été affichée. On a affiché. On dit que Boumkena bloque maintenant les gens. Non, la Stamaya de Boumkena a atteint son apogée. Maintenant, elle bloque les gens. Okay. Depuis qu'elle a créé une nouvelle maman. Vous avez donné l'importance à cette saleté. C'est toi qui as fabriqué cette petite fille, étoile montante. Un nom. Juste elle menace Dorcas. Elle dit à Dorcas de descendre à Douala. Oui, qu'elle va l'arrêter. Juste à Dorcas, a mis un SOS. Qu'elle est arrêtée. Dorcas, mais Dorcas connaît le Dorcas est à Douala. Dorcas est allée sortir le conteneur. Elle est à Douala. Boumkena, tu fais quoi? On t'attend. Dorcas, parce que les gens viennent vous mentir sur les réseaux sociaux. Les gens sont sur les réseaux sociaux. On t'encourage. Parce que les gens. Les femmes qui sont montées dans le direct de Boumkena ont trompé Boumkena. Quand tu vois, on vient, on affiche l'un de tes parents, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du recul. Ben oui. Tu prends du recul. Ben oui. Et tu essaies de gérer ça. Livna, mais ce que cette fille a fait, Livna. Elle est plutôt venue prendre Roswip l'a trompé et lui dire que non, laisse, on va chercher une maman. Les mamans, les fausses mamans bagantées là. Vous qui êtes passé dans le direct de l'enfant là. Vous, je suis sûr que les mamans là, elles sont parties du village et elles sont venues ici en Bain. Parce que quand tu réfléchis, si ces mamans là étaient en ville et elles sont venues en Bain, elles allaient réfléchir et dire que elles ne peuvent pas demander à Boumkena d'aller casse. On compare dans les deux voies et maintenant on compare celle qui est en train de parler chez Dorcas et celle qui est en train de parler chez elle. C'est facile d'attraper. C'est facile de vous attraper. Comment une maman, on vient parler de ta maman. Ta maman. Elle dit qu'elle fait de Lolo son couteau de boucher. Lolo ne va jamais te répondre. Jamais. Le jour que Lolo va vouloir s'asseoir sur toi, tu vas quitter ce métal. Maman, elle va seulement manger. Elle va boire sur Sidox. Comme il dit, elle va boire sur Sidox. Parce que le jour que Lolo va boire. Parce que Dorcas la traite. Boum, qu'elle est devenue folle. Depuis deux jours là. Dorcas l'aime traite. Dorcas, vous faites. Mais oui. Le traitement là est à chaud. Maintenant, je vais mettre mon nom, qu'elle a mes audios avec Lolo, qu'on s'est gâté. Lolo et moi, on est lesbiennes. On est amis. On est elle est entrée dans la maison de Rose africaine. Elle est rentrée dans la maison de Rose, cette fille-là. Elle est allée prendre des photos. Elle a même dit que le fils de Rose fait des choses avec la fille de Rose. Elle est partie jusqu'à dire que le mari de Rose est dans son inbox. Je vais te faire divorcer. Comment une saleté. Qui a dit tout ça? Boumkena. Donc, je voudrais donc demander aux femmes bangantées qui sont passées dans le direct de Boumkena là, quand elle plaçait sa caméra pour dire qu'elle va faire divorcer un tel ou un tel, quand elle a affiché les enfants de Rose, parce que vous, c'est trop facile de venir dire que oui, machin. L'ambassade de l'Italie là aussi, nous on connaît. On va aussi aller à l'ambassade de l'Italie pour dénoncer ces méfaits. J'ai dit, Boumkena, Dorcas est à Douala. Ta grande gueule là. Dorcas est à Douala. Actuellement. Dorcas connaît le clash. J'ai dit, Dorcas est à Douala, Boumkena. Parce que tu as raconté hier dans ton direct qu'elle était à Yaoundé. Qu'elle met les pieds à Douala. Toi, une saleté. Toi, tu peux. Quand on te regarde, déjà au Cameroun, tu n'es rien. Elle est tombée dans la mer. La mer a dit en Bangladesh qu'elle est tombée dans la mer. Une prisonnière. La reine Mbuyé, elle a fait la prison au Maghreb. Oui. Elle a fait la prison là-bas. Mais oui. Toi, tu peux parler à quelqu'un. Tu peux parler à Dorcas. Tu viens même parler de ses filles. Après, Dorcas dit que maman, laisse comme ça pour aujourd'hui. Dorcas dit que maman, laisse comme ça pour aujourd'hui. On revient une autre fois. Non, Dorcas, elle sait mettre en banque. Donc, elle met le chapeau en banque. Oui, mais comme Boumkena vient nous montrer la maman qui parle le français. Ce qu'on sait, Ngassa Jamil ne parle pas le français que celle-là a parlé. Jamais. Jamais. Elle a payé une personne pour que la personne vienne parler. Elle dit que ma mère. Elle a pas payé. Elle a accepté. J'ai des coupures. La reine est bien. J'ai des coupures où elle a accepté. Non, c'est les mouches qui payent. Non, c'est les mouches. Les mouches payent. Non, les mouches n'ont payé personne. C'est une abeille qui est venue parler. C'est elle. Oui.
Oui, parce que dans leurs commentaires, elles en veulent tellement à Dorcas d'avoir attaqué leur reine. Sauf que leur reine aussi attaque les gens. Vous pensez qu'elle va insulter les gens vont attaquer les gens. Une femme qui fait comment les attaquer à la coup de deuil. Donc imagine, une femme comme ça, là, elle a la voix. Donc quand Dorcas place sa caméra là, elle finit avec toi. Pate Bonga dit que la Nassa Janine annexe qui a parlé, elle habite à Château d'Eau. La deuxième. Pate Bonga, il est sur Boumkena. Quand il se lève sur Boumkena, c'est la magie. Pate, toi, tu es grand. Boumkena est devenu folle. Jusqu'à Nassa Janine. C'est ma Dorcas qui a dit que ta Nassa Janine de Château Rouge là. Boumkena a dit que ma Nassa Janine, la vraie Nassa Janine, l'authentique. Elle a dit que mon fils, c'est un fils qui informe Nassa Janine. Elle a dit que, on me dit que madame lui a donné les cheveux de vente. Où c'est les cheveux de quoi? J'ai dit que c'est les cheveux de Nyangdang Kaleba. Chez nous, Cameroun, on dit Nyangdang Kaleba. C'est les embarrassés Nyangdang Kaleba. C'est le cheval. Donc, les cheveux de cheval. Parce que la maman a dit qu'on lui a donné les cheveux. Et que madame lui a donné les cheveux. Que là où je suis, même signe, même Noël, je n'ai pas mangé. La maman dit qu'elle a faim jusqu'à. La reine est bio. Jamila n'a rien donné du tout. Elle n'a rien donné. Ah bon? Elle n'a rien donné. Des menteuses patentées. Elle n'a rien donné. Elle a pris ses. Mais on lui met les étoiles, non? Et puis, elle ne paye pas le loyer. Elle ne paye pas, elle n'a pas de charges en tant que telle. Donc, elle n'a pas la monétisation des publicités. Je ne sais pas. Elle, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. On dit que Ngassa Janine de AliExpress. Non, il y a deux Ngassa. Il y a la vraie authentique parenté. Et celle qui a clashé. Donc, elle va la faire choquant. Si donc, clash me crache, t'as fait quoi? Ça sera le premier clash. Vous pensez que les clashs me réveillent encore? Que Sandra Rose est partie. Que j'ai dit que, et je répète, hier, lui, là, j'ai fait un direct. Parce que j'ai entendu dire. Étant le direct de Dorcas, que les Bamileke se sont entendus. C'est comme il y a eu comme une entente, une causerie, pour qu'il n'y ait plus de clash. Et comment Ngoye est parti clasher Dorcas sur une page de Congo, ça quelque chose. C'était l'exclamation de Dorcas en s'étonnant du nouveau clash que Ngoye lui a fait. C'est là que j'ai aussi entendu que Ngoye, pendant le décembre, a dit qu'elle faisait la paix, ou c'est décembre, ou c'est janvier, que la paix, quoi, les... comme elle aime soit faire, après elle dit Borosangi, j'ai fait la paix, j'ai vraiment mais Dieu, elle joue avec les mots. Elle fait comme elle fait là. Donc, j'ai posé la question et ça, je repose encore maintenant. Je n'ai pas peur. Moi, je me lève le matin, toute une armée de teams sur moi, ça glisse sur moi. Ça dit que rien ne. Là, mais bien, j'aimerais que tu m'expliques tranquillement parce que j'ai vu un commentaire hier. J'ai dit, il se faisait tard, je devais commencer très tôt. Et j'ai dit, je vais essayer de voir ça le matin, dans la journée, pour comprendre, pour que tu m'expliques un petit peu. Pour que tu m'expliques parce que j'ai le commentaire. Était un peu bizarre. J'ai dit, on va gérer ça demain. On se souvient mutuellement. Qui est des égards de. Ouais. Je t'écoute, hein, vas-y. Oui, allô, la reine. Je t'écoute, ma chérie, je t'écoute. Prendre le temps de réécouter le direct pour comprendre. Où le bas blesse, quoi. Oui. Mais je n'ai pas eu le temps. Mais comme tu es en train d'en parler, je vais t'écouter. Donc hier, qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, pas hier seulement. Tu sais, moi, je ne suis pas connectée depuis un certain temps. Parce que premièrement, mes pages sont très restreintes, hyper restreintes. Je n'ai jamais vu depuis l'existence de Facebook. D'abord, ça c'est un. Et de deux, je vois même presque 300 personnes. C'est quand ils sortent. Peut-être que Facebook est en train de détacher ou bien, je ne sais pas. Bref. Alors du coup, j'ai fait un direct hier pour poser une question parce que j'ai entendu, c'était répétition et j'ai eu l'extrait qui disait que Dorcas disait que les Bamileke se sont entendus pour ne plus se clasher. Comment ça s'est fait que Flore l'a encore clashé? Voilà la partie qui m'intéressait. Et puis j'ai dit, mais attends, l'entente s'est fait où? Attends, mais tu dis que tu as eu un extrait de Dorcas. C'est-à-dire que Dorcas a fait un direct, ok? Moi, j'ai eu, comment on me voit? Parfois, je reste, on m'envoie des coupures, tu vois. Je peux choisir de reconduire la coupure ou de laisser faire. Donc, la coupure disait du genre. Les Bamileke se sont entendus. C'est comme s'il y a eu comme une entente. Bon, je peux utiliser peut-être le mot réunion ou entendre qu'il n'y aura qu'ils ne se clashent plus. Et comment ça s'est fait que Flore Magina Kankampoulia, la fille du Centrafricain, est allée clasher Dorcas dans un direct de Japap, Japap quelque chose, une page de Japap. Parce que Flore est montée. Et clasher Dorcas. Ma question hier, c'était que c'est quelle entente des Bamileke que je n'ai pas été appelée. Donc je suis bangantée, ça veut dire que fière de l'être et Bamileke nous se sort. Voilà la première question. Tu comprends? Et tout ce qui s'est passé en fait jusqu'au bout. Voilà. Donc, tu vas dire paix de Lolo, tu vas revenir dessus. Donc les gens ont dit que Lolo a fait la paix. On est revenu sur. Patoum, elle était dans mon direct. On est revenu sur Tobias. Patoum, elle a dit que tu connais le tourbillonnage de Facebook. Tobias a tourbillonné. Donc Patoum, elle expliquait comment quelqu'un clash. Il clash Lolo. Il s'en va, il voit Flore. Il clash
il clash le compte, ouais. Flore, il prend les informations, il ramène ici, donc il a tourbillonné, retourbillonné, retourbillonné. Donc à tout le monde expliquait ça. Et puis moi je leur faisais savoir que moi j'ai été approché. Tatana a même entré dans le direct, j'ai répété à Tatana, parce que Tatana m'a appelé au quartier et Tatana a aussi commenté dans mon direct, me demandant de soutenir monsieur Messon. J'ai dit à Tatana que je ne le soutiens pas, parce que ce qu'il a fait pour moi c'est un crime. Moi je ne peux pas tolérer ça et ça va être comme ça, c'est-à-dire que je ne suis pas dans une team et je n'ai pas de team. Parce que c'est clair, moi je n'ai pas de team. Pourquoi je dis que je n'ai pas de team? Parce que je n'ai pas un groupe qui se lève matin, midi, soir, insulte des gens à mon nom. Ou bien font des posts en alternance matin, midi, soir, à mon nom. Ou oui, j'ai des followers, mais je n'ai pas de team. Ça, je le reconnais parce que j'ai refusé. Puisque je vois un peu qu'est-ce que ça donne. La résultante d'une team au finish, c'est que parfois la team monte même contre toi, même le leader. Ça, je n'ai pas envie d'avoir des gens qui vont monter contre moi pour un choix, une position que je vais donner. Tu comprends? Donc, j'ai expliqué ça en passant. Et on est revenu sur le fait maintenant de la paix. Prado Monte a expliqué que, oui, jamais de paix. Il y avait des commentaires. Pour te dire, je ne me souviens plus des commentaires, mais il y avait des commentaires qui mettaient certaines personnes pas d'accord, certaines personnes d'accord, certaines personnes disaient que c'est faux, c'est vrai. Mais on n'était pas en train de savoir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Tu vois, non? Et ce qui fait que. Quelqu'un dit que quoi, Rennes, mais puis, j'ai dit, mais je suis quand même parmi. Et que j'ai quand même essuyé un gros linge. C'est sûr que ça, les gens s'en foutaient à la limite, parce que j'étais là, je me battais toute seule contre toute une armée, et puis ça faisait mal à personne, ni chaud, ni froid, jusqu'à ce que j'ai obtenu gain de cause, avec la grâce de Dieu. Oui, certaines personnes m'ont prêté quand même leur épaule, mais c'était pas facile, c'était un parcours de combattant. Tu comprends? Et je n'ai pas vu un temps soit peu qu'on ait dit que non, c'est exagéré. Mais monsieur, mais sans qu'il pouffe un cahier de même pas deux semaines, tout le monde commence à me téléphoner partout pour être en machin. J'ai dit non. C'était ça le truc hier. C'était ça le truc. J'ai compris. Voilà. Ouais, j'ai cru qu'il y avait quelque chose de très, très. Non, j'ai demandé d'écouter le direct. Hein. Il n'y avait rien d'accusation de quelqu'un. Après ça, ça s'est sorti dans tous les sens. Moi, je suis prête. Bon, parce que j'ai vu le commentaire et j'ai dit, je vais écouter. Une année, même les Lolomaya peuvent s'élever sur moi. Ça ne sera pas la première fois et la deuxième fois. Je vais être prête. J'ai dit, je vais écouter le direct parce que il faut que tu lises un commentaire et par rapport au commentaire, tu te mets à faire des jugements. Il faut écouter pour comprendre pourquoi tel ou un tel a dit ci sur ça. Bon. Lara, mais de nous, on connaît ta position. Je connais ta position, moi. Je parle à mon nom. Je connais ta position par rapport à cette histoire depuis le début. Et je t'ai aussi donné ma position à moi. Mais pas parce que je défendais vraiment le grand frère. Je t'ai dit pourquoi je le défendais. Bon, la paix. Donc, voilà, tu dis que toi, tu n'es pas d'accord avec la capacité. Après, j'ai pas tout mêlé. Il faut la calmer. Quelques jours, les directs de Dorcas étaient un petit peu, ça allait un petit peu vers le tribalisme et j'ai fait un post là-dessus et je lui ai dit, Dorcas, ne fais pas ce que tu fais là. Ne fais pas ça. On apprécie bien, mais le sens que tes directs prennent là n'est pas bien. Venez dire que les Bafikans ont fait la paix pour ne plus se clasher mutuellement, je dis, c'est des conneries, en fait. Voilà. Moi, je le dis, si les gens vont se sentir mal parce que j'ai dit que c'est des conneries, je dis bien c'est des conneries parce que c'est dans les commentaires. Vous savez, les qui ont appelé Bunkenaye, c'est les Bamileke. Et vous savez pour qui? La haine envers qui? Lolo Dorcas. Donc, arrêtez vos histoires de venir dire que les Bamileke ont fait la paix. Je suis aussi Bamileke, mais je suis pas dans la paix. Oui, partout était dans mon direct. Oui, partout était dans mon direct. Beaucoup là. Allô? Oui. Je voulais juste mettre une phrase par rapport à cette histoire de Dorcas là. Parce que j'étais dans le direct de la Reine des Deux hier. Et je vais répondre à Talita Courtès, qui est là, qui a mis un commentaire. Donc, je voulais juste prononcer une phrase. Talita Courtès, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, tu vois. C'est comme vous, la fille d'Apap. Ngoy a clashé Dorcas. Vous comprenez, non? Maintenant, vous voyez le clash là à Dorcas, vous comprenez? On va demander la paix à Lolo. Et Lolo a accepté la paix. Et elle, maintenant, est surenchérie en disant que nous, les Bamileke, on ne doit plus, on s'était attendu qu'on ne doit plus se clasher. On a Lolo et Ngoy qui ont fait la paix. Et elle se pose maintenant la question que, ouais, mais comment Ngoy me clash alors? Et c'est là où elle s'est dit que le clash, comment elle découvre que Ngoy appelle Niaba demander la paix, la clash, alors qu'elle est alliée à Lolo et qu'elle a accepté la paix. Voilà. Donc c'était je ne sais pas si tu comprends un peu. C'était un désespoir pour elle de constater qu'Ngoy l'a clashé quelques temps seulement après avoir dit qu'elle veut la paix. Tu comprends un peu, non? Oui, Patricia, je peux renchérir.
Oui, je vais poser la question à Madorcas. Est-ce que quand Ngoï disait qu'elle fait la paix là, est-ce qu'elle était d'accord? Est-ce que son nom avait été cité? C'est que Dorcas doit nous dire. Est-ce que quand Ngoï a fait la paix? Je réponds à cette question. Si c'est toi ici, Dorcas est considéré comme allié à Lolo. Tu comprends, non? Donc, du coup, elle te dit que comme Ngoï a demandé la paix à Lolo, et quand Lolo a accepté, elle va ricocher. Étant l'ami de Lolo, elle s'est dit qu'elle aussi va faire la paix avec Ngoï, donc du coup, elle ne va plus clasher Ngoï. Voilà. Et elle s'est considérée que nous, en tant que Bamilékés, c'est la phrase qu'elle a prononcée. Nous, les Bamilékés, on dit qu'on se soutient. Elle-même, qui elle avait même bloqué Bamilékés, on ne l'a pas contactée. Ok, donc, je comprends. Le nom des Bamilékés, non. Donc, elle s'est considérée que comme elles sont Bamilékés, elle pouvait se soutenir en année 2024 parce que Ngoï a demandé la paix à Lolo et elle est alliée à Lolo. Tu vois, non? Donc, je pensais qu'elle pouvait s'entraider en tant que Bamilékés, elle s'entraide et tout. Et donc, du coup, la reine de Dieu, elle n'a pas été contactée. Tu vois, non? Donc, c'est pour ça que la reine de Dieu s'est posée la question que, mais attends, si elles ont dit qu'elles sont Bamilékés, elles ont prôné la paix. Elles ont dit qu'elles vont faire la paix. Mais pourquoi elle qui est donc Bamilékés, elle, la reine de Dieu, on ne l'a pas donc contactée? Voilà. C'est la question maintenant. Oui. C'était juste ça, oui, c'est ça. C'est une très bonne question. Oui, parce que je suis Bamileke fière de l'air. Et j'ai essuyé un lynchage sur 6 années sur mes temps. Même Dorcas, ma yamseur, m'a ramassé ici que je devais laisser. Tout le monde qui s'est levé contre moi voulait que je laisse Ngoï tranquille. Comme moi, je subissais un lynchage. Si une paix s'installe, je pense qu'on doit aussi m'appeler, on doit s'asseoir pour débattre là-dessus. Alors si je suis Bamileke, je n'ai pas été contactée. C'est quelle entente sans moi? C'était ça ma question. Et si tu vois ce que ça a tourné, c'est devenu que les gens vont m'insulter. Est-ce que j'ai des temps? Salut, écoutez, je vais t'expliquer. Le débat est venu seulement parce qu'elle comprend que la peine que Ngoï a demandé devait durer. Elle a été surprise que le mois de. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Ngoï l'avait déjà clashé. C'est comme on a fait, j'ai pas. Tu vois, non? Donc, elle s'est surprise. Voilà, c'était pas quelque chose comme si c'était dramatique. Il n'y avait rien de méchant. C'est vrai que les sœurs qui ont mis le commentaire hier ont compris dans l'explication. Parce que moi, j'avais dit, je vais écouter le direct, parce que la sœur nous a interpellé d'aller écouter votre direct que vous avez fait hier soir pour voir ce que vous avez dit. Maintenant, je comprends. J'espère que les personnes ont compris le direct, les propos de la reine Mebio et de Patricia. J'espère que vous avez compris. Mais tu t'es mis là, chacun de sa façon. Il interprète à sa façon. Tu vois, Talita Koutez vient de compléter la partie. Elle dit maintenant, ok, je n'ai pas suivi la partie de Ngoï parce qu'on suit par bout en fait. Oui. Talita, moi j'ai même coupé la partie, j'ai partagé la partie. Voilà, quelqu'un dit maintenant, quelqu'un vient d'amener la réponse à ma question d'hier. Campagne dit, Reine Mebio, ce matin, Dorcas a dit qu'elle ne t'a pas contacté parce que tu as dit que tu es une place. Voilà. Donc c'est une raison, c'est pas méchant. Donc c'est aussi une raison, mais j'ai le droit de m'exclamer et j'ai une réponse qu'on dit qu'elle a dit ce matin. Je n'ai pas eu le temps de suivre. Donc c'est pour dire que dans la vie. Donc pourquoi j'ai dit que Dorcas, que depuis quelque temps, Dorcas utilise un tribal, le côté tribal. Et nous soutenons, nous qui ne sommes pas parmi les qui soutenons Dorcas, elle nous met où? C'est ce que j'ai dit. Il faut que ce côté tribal-là disparaisse dans le blog. Donc, pardon, Ngoï doit te faire le pardon personnel. Ça n'a rien à voir avec le pardon qu'elle demande. Non, elle n'a pas demandé pardon, la paix plutôt. La paix. Ta paix, elle doit te demander la paix uniquement. Mais ce que moi j'ai entendu dans le direct de Cameroun Afrique Jaba, c'est que Ngoï demande à Dorcas de laisser les petites, parce qu'elle considère que les Burkina sont les petites et qu'elle vient s'affronter à elle face à face. Voilà, elle a lancé plutôt un affront. Voilà, ça voudrait dire qu'elle n'a pas fait la paix avec Dorcas. Voilà. Mais peut-être Dorcas s'est dit par ricochet. Oui, ben Dorcas a pensé à une paix par ricochet puisqu'elle est dans la team. Oui, c'est ça. Elle s'est dit que bon, comme elle est quand même sympathisante et active, Dans le débat de Goum Kenya hier, Ngoï a bien dit qu'il faut que Goum Kenya aille jusqu'au bout, jusqu'au tribunal, jusqu'aux plaintes, jusqu'à tout ça, même à l'ambassade d'Italie, bref, de l'ambassade des États-Unis. Donc qu'elle aille jusqu'au bout par rapport à l'histoire de la vraie maman et de la maman de Ali Express. Mais partout, dans le direct hier, dans la nuit, je passe tout. J'ai dit que
Ngoï est hypocrite parce qu'elle nous a fait un dîner de la nouvelle année où elle a demandé, soi-disant, à Burkina d'arrêter. Ouais. Mais c'est la mère qui rentre encore dans le direct de Burkina pour venir l'encourager à aller chez l'ambassadeur des États-Unis. Mais c'est le tourbillonnage et la... En s'entourant de ces gens, c'est là qu'il a lu l'œil. Mm-hmm. Parce que quand tu vas croire que c'est ta personne, c'est quelqu'un de ta tribu là, mm-hmm, qui va te sauver, c'est quelqu'un de ta tribu qui va finir avec toi. Mm-hmm. Donc, pour moi, les histoires de tribu à deux balles là, moi je ne suis pas dans les histoires de tribu. Mm-hmm. Si je me sens à l'aise quelque part, c'est là-bas que je pars. Mm-hmm. On va m'insulter que oh, tu ne soutiens pas les gens. Tu ne... Moi je ne suis pas dans les histoires de tribu. Excusez-moi, il a Angie qui dit que Patrice, ce n'est pas vrai. Elle a dit c'est ce que ton corps te dit, ton corps désire. Angie, j'ai la capture, j'ai coupé la coupure, là, c'est sur ma page. Mais là, donc, si tu veux, tu as la coupure, j'ai coupé la coupure. Angie, quand est abeille, t'es cachée. Donc, ne réponds pas. Va jusqu'au bout. Abeille, t'es cachée. T'es cachée. Donc, elle est dans la team d'Ngoï et la team annexe. Page, mais non, voyez, en fait, elle a dit que donc ce n'est pas ta maman, et dans ce cas-là, va jusqu'au bout, écoute ce que les gens te disent, prends ce que quelqu'un te dit, tu prends ce que l'autre te dit, et puis tu vas jusqu'au bout. Les gens sont en train de nous dire de porter plainte à ton père et de traîner dans le cas au tribunal. Voilà, voilà. On lit vos commentaires, vous dites toujours que vous êtes neutre. Non, aujourd'hui, vous dites que vous êtes neutre, ça s'appelle Cham là-bas. Patou, mais plaît la coupure. Patou, mais plaît la coupure. C'est deux minutes, mais plaît. Je trouve que c'est tellement hypocrite, puisque Ngoï a eu sa mère au téléphone. Et puis, elle est venue faire un direct pour dire que non, la mère, elle est montée, la mère, elle est descendue. Mm. Elle combat seulement les deux voix. Mm. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait de l'hypocrisie. Et il y avait de l'hypocrisie. Sandy dit quelque chose. Oui. Oui, vas-y. Sandy dit quelque chose d'important que Mula applique très bien et que j'apprécie beaucoup. On dirait, mais bio, vos divergences d'idées ne doivent pas vous diviser. C'est la vérité. Quand il y a une situation, Mula, elle a son bout, j'ai mon bout, on est correct. C'est d'autres personnes qui ont la misère avec ça. Moi, je n'ai pas. Je dis que je peux. Black Beauty, ça reste ma soeur, même si elle a fait le direct avec Ngoï. Même si elle est même. Ça dit que dans l'événement de Ngoï, assise au sur le stage, ça va rester ma soeur. Je ne vais pas me séparer d'elle à cause de ça. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous comprenez ça, déjà. Ça, donc, ça veut dire que je suis l'exemple. Mula est l'exemple. Patoumel, il y a plein de choses sur Meta que Patoumel prend sa part. Je prends ma part, on est debout, il n'y a pas un problème. Je dis, oui, je peux citer même quatre choses debout ici maintenant. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas, on ne s'entend pas pour regarder là. Elle peut choisir de dire que je suis telle. Moi, je choisis de dire que je suis ceci sur une situation bien précise. Mais ça ne change rien de ce qu'elle est ou elle représente, de ce que je représente pour elle. Point final. Vous comprenez? Donc. Sandy. Patou, le direct, Patou a fait un direct. Mm-hmm. Je ne regardais pas, si j'étais le genre que les gens mm-hmm. pensent, j'allais le prendre mal. Mais mm-hmm. j'ai dit, Patou règle son problème. Mm-hmm. Mais j'ai dit, voilà. On doit être capable de mettre, c'est-à-dire chacun a son idée, et puis après, chacun, et puis on continue à foncer. Moi, j'ai aucun problème. Quelqu'un a dit que oui, machin, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle qui vient de commenter. Bonsoir, ma petite maman, je t'aime, tu es belle, merci. Je suis neutre. Angie dit qu'elle est neutre. Il y a quelqu'un qui dit, c'est tout, mais là, ils sont des Camerounais, blablabla. J'ai un message là, c'est tout. Attends un peu, c'est comme on dit que mon. Mula! Mula! Oui, oui. Je prends bien qu'on se revêt, tu sais qu'il y a un nouveau défi, non? Il y a par exemple, quand on s'est retrouvé sur le dossier de Samy, par mm-hmm. exemple. Mm-hmm. On s'est retrouvé sur Samy, toi tu n'avais pas la même opinion que moi. La même que moi, tu vois un peu. Mm-hmm. Non. Oui. Si. Oui. J'étais du même côté que toi. On n'avait pas les mêmes opinions. Mais ça ne veut pas dire que. On s'est crépé le chignon parce qu'on n'a pas la même chose. Regarde, non. Tu vois, le cas de Samy. Donc, quand ça a défendu qui? Donc, quand ça a estimé que Karim est une criminelle et qu'elle a assassiné Samy. Oui, clair. Même l'étoile chrétienne. Même l'étoile chrétienne avait son coup. L'étoile chrétienne avait son coup. Chacun avait son coup. C'était innocent. C'était comme ça. Tu vois, non? Mais quand ça n'a rien fait. Donc, quand un problème arrive, toi, Mula, par exemple, tu peux supporter par un Jansan. Et moi, je peux clasher par une chanson. Et après, c'est fini. Alors, tu pourras aller la haute du 200 français. La haute du 200 français, elle soutient par une chanson. Moi, je ne soutiens pas par une chanson. Pourtant, elle vient dans mes directs. C'est ça. Même ce matin, elle était dans mon direct tout à l'heure. Elle m'a répondu au vœu de paix. Mais c'est pour ça que je dis, Facebook, tout le monde, tu peux être en direct. Quelqu'un m'a écrit un commentaire. Ce commentaire change tout. Toute la donne. C'est vrai. Moi, c'est... Attends un peu. Je vais dire quelque chose à Mula. Mm-hmm. Alors, Mula, tu me
t'écoute. Mm-hmm. T'écoute. Tu te rappelles quand Goya dit à Boum qu'il n'a de ne plus cracher, non? Mm-hmm. Tu te rappelles le direct lequel Compression est venu dire plutôt que. Compression est venu dire que non. Écoute bien ce qu'elle a dit. Elle a dit que Ngoï et sa yam soeur, mm-hmm. et sa yam soeur Lolo ont fait la paix. Et quand Lolo et sa yam soeur maintenant de Ngoï, et qu'elles ont fait la paix. Compression l'a bien dit. Et elle dit donc que, mais par contre. Mais par contre, Boum Kena n'est pas la yam sœur, n'est pas la yam sœur avec Lolo. Mm-hmm. Oui. C'est elle Compression qui m'a dit. Mm-hmm. Parce que ça oui, elle a dit. Elle a dit. Compression voilà. avait bien accepté le fait que Ngoï et. C'est sûr que Ngoï, comme elle est la copine de Compression, elle a dû aller dire à Compression que non, moi j'ai fait la paix avec ma yam sœur. Mm-hmm. Tu vois, mm-hmm. donc moi, elle ne pas. C'est Compression elle-même qui a dit ça quand elle est venue défendre Boum Kena. Tu comprends? Mm-hmm. Oui, c'est qu'elle a dit. Elle a dit, justement, il faut dire la vérité. Il faut écrire un commentaire. Elle a dit ceci. Ce qu'elle a dit. Elle a dit ça. Dans son direct, elle dit que non, la yam sœur. Non, c'est pas les rations, c'est vrai. C'est vrai, elle a dit ça. Qui a vendu ça? C'est pour ça que quelqu'un a écrit en haut que elle aime Madeline et tu dorais, je suis une place. C'est la raison de mon une place. Mon une place ne veut pas dire que je ne suis pas consciente. C'est parce que je connais les virements des situations, les changements de position des gens de nuit. De la nuit au matin, tu vois une situation, tu regardes dans la même direction que la personne, vous débattez là-dessus. Demain, elle est assise là-bas, au sur le stage. Donc, à l'ainsi, tu ne peux que parler de ce qui concerne toi et toi seul. Et prendre ta position par rapport à toi et toi seul. Et être à l'aise et fonctionner avec quel que soit lambda. Moi, c'est pour ça que je suis une place. Je ne veux pas. J'ai dit qu'elle. Oui. J'ai dit qu'elle est la reine de Dieu. Oui. Il y a quelqu'un qui on te dit que, oulala, Patou, oulala, Patou, tu as du temps, hein, pour suivre tout ça. Mais vous ne savez pas que c'est le professionnalisme, le japonais professionnel. Vous pensez qu'on a fait le temps. C'est ça. Vous faites rire. C'est ça. Mais bon, vous prenez la question de la légitimité, vous êtes écrypteur, hein. C'est le boulot. C'est le boulot parce que vous signalez les pages des gens. T'écrypter, même, c'est facile. Décrypter, c'est facile. Décrypter, c'est sympathique. Moi, deux. Il y a une personne qui appelle ici, je ne sais pas. Vous simplifiez le tutoriel en décryptage que j'ai. Quand j'ai pris le document, là, vous étiez où? Maman, c'était facile. Bon. Couper les choses déposées. J'étais la page Congo, ça qui copiait. Même moi, m'insulte, je redépose ce qu'on m'insulte. Tout le monde était Wanda que mais. Comment? J'ai dit que je redépose. Et on continue, ça ne chauffe pas. Et depuis là, je suis dur, le Jacques. Le Japon, vous dites que vous ne pouvez décrypter plus le Japon. Mais j'ai dit à la reine de Dieu. Oui. Que tu la portes le Japon. Parce que quand les étoiles de coupe d'Afrique vont commencer là, nous on connaît au foot. On connaît bien au foot. Mais au moins on décrypte le domaine dans lequel on parle. Parce qu'après le foot va prendre toute la toile, on ne va rien comprendre. C'est ça. Au mieux on décrypte le domaine que nous on connaît. Exactement. Hein? Exactement. Japon, mon amour. C'est tout. Japon, mon amour. La maman de AliExpress et la maman originale et l'autre côté maman AliExpress. Quelqu'un dit Reine Mère Bio, Meta est risqué. Il faut faire attention aux commentaires et tout ce qu'on peut rapporter. Mieux vaut avoir toujours tous les tenants et les aboutissants. Premièrement, on n'a pas le temps d'avoir tous les tenants et les aboutissants. On peut donner son jugement comme Mula sur le problème de Monsieur Saleté. Elle a deux poids, c'est-à-dire que elle le soutient parce que ce qu'il vit est injuste, parce que il était ami avec ces personnes. Parce que c'est un grand frère, qu'elle l'aimait bien par le passé, et que mais quand il est venu demander le pardon, dans son pardon, elle voit qu'il y a une partie. Donc, c'est comme, dans son soutien, c'est comme biaisé, c'est comme deux poids, deux mesures. Il y a un côté que si vraiment il a demandé qu'on fasse le coup aux jeunes, Samuelette, c'est mauvais. Mais si c'est un montage et que ce n'est pas juste, s'il dit que c'est parce que c'est sa femme qu'on a menacé, qu'il est venu, elle dit ça s'est passé depuis longtemps. Et les gens qui ont menacé, tu as fait la paix avec. Donc, on développe, on analyse, on n'est pas des enfants. Nous sommes des personnes adultes. Ça, c'est ta tante qui devait débloquer. Quand tu es dans le processus de paix, mm-hmm. tu dois accepter toutes les critiques. Voilà, il n'accepte pas parce que c'est un anti, c'est-à-dire que lui, il va critiquer les gens. Il dit qu'il ne regarde pas les directs. Voilà. Donc, il n'a pas vu non, il m'a le monde demander des excuses. Patou, si il vous a rebloqué. Patou, il t'a débloqué et te rebloqué, non. Patou est là. C'est parce qu'il t'a débloqué et te rebloqué, non. Moi, ma gueule, il m'a débloqué, après m'a encore rebloqué. Pareil. Voilà. Et ça fait quoi? Lui, c'est l'asticot de quel cabinet? Il nourrit qui? La paix. La paix. La paix. Il nourrit personne. Oh, il y a quelqu'un qui va acheter, mais je ne sais pas, mais je n'arrive pas. J'essaie. Il ne supporte pas le clash. Waouh. Donc,
voilà, ça fait que moi je sais. Ok, mais moi je raconte alors. Oui, oui, Patou, oui, Patou. Attends. Comment je fais pour prendre la personne aussi? Allô? Allô? Oui, allô, mamie, là. J'ai quelqu'un ici qui veut entrer, mais je n'arrive pas. Attends, je n'arrive pas. Je te laisse donc. Oui, oui, attends, je le prends. Hein. Oui, attends, je prends la personne, oui. Je ne sais pas, il fait qu'insister. Je la sauvegarde même pour prendre, je n'arrive pas. Je ne sais pas si c'est possible, si c'est pour le chapap ou si c'est pour quoi. Peut-être que ce n'est pas pour le chapap. J'allais d'abord sur le haut-parleur parce que moi, je ne vais pas afficher. Oui, allô, bonjour. Vous appelez pour le chapap? Oui, est-ce que tu veux... Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux passer en direct? Parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un appel pour Meet and Love. Ou... Yeah. Selon moi, ce que j'ai entendu, Flore n'a pas demandé des excuses personnelles. Okay. Elle n'a cité aucun nom. Okay. Ni à Lolo, ni à toi. Elle a dit qu'elle voudrait la paix. Mm-hmm. Elle demande la paix. Mm-hmm. Et cette paix, elle dit, je trouve que c'était général. Donc, ça peut aussi, ça peut aussi être de ta part, de mm-hmm. tous ces... Mm-hmm. Ces personnes qui ne parlent pas avec elle, selon mm-hmm. moi. Ouais. Elle n'a fait aucun nom. Du mm-hmm. coup, quand Lolo était au courant, elle a dit si c'est le cas, elle aussi, elle veut la paix, mais que chacun reste dans son, ouais. son couloir. Parfait. Et maintenant, quand Compressor a pris la parole dans son direct, elle a relancé à sa copine que Mako, tu ne l'as même pas appelé Lolo Pipi. C'est comme si, je sens comme s'il y a quelque chose qui va venir là. Tu l'appelles le Lolo. Tu n'as même plus d'appeler les Lolo Pipi, ceci, cela. De toute façon, que tu fasses la paix, que tu fasses comment, moi, je vais rester sur Lolo. Mm-hmm. C'était comme ça. OK. C'était comme ça. Donc, okay. il y a parfois, chacun veut traduire selon ce qu'il veut que ça s'explique, selon mm-hmm. sa volonté. Mm-hmm. Mais sinon, pour nous qui avions suivi, moi, selon ma compréhension, c'était dans ce sens. Oui, c'est-à-dire une forme de demande à l'accalmie autour d'elle sur n'importe qui est offensé de part et d'autre. Voilà, moi, mm-hmm. j'ai trouvé que c'était général. Elle n'a cité aucun nom. Oui, c'est ça.